Ma belle. Pan. C'est bien ça. Bravo. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo, voilà, pour vous expliquer comment on a atteint ce label Panthémor. Il faut bien travailler les deux choses très distinctement. Donc d'abord la belle, ensuite le Panthémor. Donc étape numéro 1, comment apprendre à faire la belle ou le beau à son chien. Nous avons une belle, donc on va apprendre à faire la belle. C'est très simple, c'est en plusieurs étapes. Moi, donc comme d'habitude, je fais souvent avec le clicker pour qu'elle comprenne. Et au tout début, on fait juste au leurre, voilà. Donc au début, quand je lui demandais de faire la belle, c'était catastrophique, ça ne marchait pas, elle ne comprenait pas. Donc la première étape, c'était de lui demander une patte. Donne la patte. Voilà, de récompenser. Et puis je lui demandais une patte et l'autre, une patte et l'autre. Voilà, ça c'est bien. Une patte. Et l'autre. Oui! Voilà, après je me suis aussi un petit peu amusée à faire avec les pieds. Voilà, bien travailler les pattes. Donc ça, c'était bien assimilé. Ensuite, il fallait qu'elle comprenne qu'il fallait qu'elle fasse un mouvement un petit peu vers le ciel. Donc, je disais, Gypsy, la patte. Oui, la belle. Ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. La belle. Donc au début, elle n'avait pas du tout d'équilibre. Donc il faut aller très progressivement. Il ne faut pas faire ça trop tôt parce qu'il faut que le chien soit quand même assez gainé au niveau musculaire. Il faut que, voilà, au niveau du dos, ça demande quand même de l'effort. Au niveau de la ceinture abdominale aussi. Et donc après, il faut aller tout en douceur, les étapes y aller très lentement parce que il faut quand même que le chien arrive à trouver son équilibre tout seul. Donc les premières séances, c'était juste la belle, comme ça. Voilà. Et hop, donc là vous lui donnez un peu d'impulsion, vous montrez le bonbon, hop là, voilà, la belle. Et vous essayez de prendre les deux pattes. Voilà, donc ça c'est la première étape, c'est bien ma belle. Ouais. La deuxième étape, c'est qu'elle essaye de mettre ses deux pattes directement sur vous. Donc avec le leurre au début, voilà, comme ça, c'est bien, c'est belle ça, c'est belle. Et une fois qu'elle a compris qu'il fallait faire les deux pattes, ou si elle a du mal à comprendre, alors moi j'utilise le clicker. Hop, la belle, oui, oui, la belle, voilà. Il faut y aller progressivement, 5 minutes par jour, pas plus. Moi j'ai toujours l'habitude de faire avant la gamelle le soir. Donc c'est là où Gypsy elle est très très motivée parce que voilà, elle est impatiente d'avoir sa gamelle. Donc elle sait que plus vite elle réfléchira et plus vite elle aura la gamelle. La belle. Oui. Et donc voilà, comme ça avec un coup de cliqueur dessus. Donc je lui ai appris à trouver un peu son équilibre avec ma main. Voilà. Et au fur et à mesure que donc elle a réussi à comprendre que la belle c'était les deux pattes en l'air. Eh bien, j'ai commencé à lui demander la belle comme ça, voilà, l'aider un petit peu. Mais en fait, il faut qu'elle se lance un petit peu, qu'elle cherche son équilibre, mais elle n'est pas obligée de le trouver de suite. Donc là, par exemple, elle est sur moi. Et puis au fur et à mesure, la belle. Oui. Même si c'est qu'une seule seconde, c'est très très bien. Là, c'est bien ça, ma puce. Donc ensuite, avec les réseaux sociaux, on échange beaucoup sur... Donc sur l'obérythmé, et donc on m'a donné beaucoup de conseils, et un conseil qu'on m'a donné c'était de travailler la distance et aussi sans les gestes, c'est-à-dire essayer de voir si elle a compris que la belle c'était le mot. T'es incroyable toi. Et aussi avec la distance, pas bouger. Gypsy, la belle. Pas bouger. Ça, c'était canon, ça. C'est bien, ça. Donc, elle vous a même fait un petit coup d'œil, comme ça, comme si elle savait que vous étiez derrière l'écran. Et donc, on a bien maîtrisé la belle à distance, la belle. Donc, sans les mains, voilà, pour qu'elle différencie bien. Donc, on va vous faire un petit peu devant. Ah, si. La belle. Les pattes. Oui. Donc pourquoi j'ai associé la belle avec le Panthémor? Parce que déjà je trouvais que c'était un petit tour un peu... Voilà, moi j'essaie de faire des petites choses qui peuvent un peu impressionner ou qui peuvent être vraiment sympathiques comme démonstration. Et en fait le problème de Gypsy, c'est que souvent elle se met sur une fesse et que quand elle fait la belle, elle tombe. Et je me suis dit, mais c'est super sympa de passer de la belle au Panthémor, sachant que le Panthémor, elle le maîtrise très très bien.
Donc le Panthémor, je vous l'explique dans une vidéo que je vais vous mettre en lien dans cette vidéo. Voilà, vous pourrez trouver l'exercice. Et donc, il faut d'abord tester le Panthémor sans label. Chipsy. Voilà. Pan. Super ça. Donc là en ce moment on travaille la tête pour perfectionner le Panthémor parce qu'effectivement il faut que le chien ait vraiment la tête au sol normalement. Assis. Oui. Pan. Et la tête. Ouais, bravo. Assis, la belle. Et pan. Bravo, ça c'est super. Donc au début je renforçais au cliqueur, maintenant elle maîtrise très bien, donc au fur et à mesure j'enlève le cliqueur. Par contre je laisse toujours la récompense parce qu'il faut quand même de la motivation, je suis à fond pour motiver les chiens. Voilà, faut pas récompenser trop, mais il faut récompenser quand ça vaut la peine, et là ça vaut vraiment la peine. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvée enrichissante. J'espère que ce petit tour vous semble sympathique et que vous allez avoir envie de l'essayer. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram à Quickie et compagnie, exactement comme le nom de la chaîne YouTube. À bientôt, j'espère que vous regarderez nos futures vidéos. N'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont déjà postées. Et voilà, donc ça c'est un tour qu'on est en train de travailler en ce moment, donc vous verrez que le gros problème de Gypsy c'est qu'elle me lèche la tronche en permanence, et donc j'appelle ce tour patate, comme un sac à patates. Voilà, à la prochaine. Oui, bravo. Ah.